juste à pousser mon image Docker et je suis sûr que ça fonctionne. Ouais, mais niveau sécu Docker, c'est pas top. Je préfère mettre ça dans du KVM. Ouais, mais moi, bonjour. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de faire tourner la même chose sur une page de dev et sur la prod. Ah ouais, mais je te mets du Docker dans du KVM. Ouais, c'est cool, si ça tient les perles, pas de problème pour moi. Bon, ouais, ça va marcher. Merci. Merci de vous joindre à nous pour le lancement du projet Sing, projet phare pour notre agence. Sing pour système d'information nouvelle génération. Un acronyme que j'ai trouvé moi-même. Le client en question, c'est Biden. Biden, c'est un client des States. Et c'est un client stratégique pour nous qui a, comme vous pouvez le constater, qui a un très très fort potentiel. Et j'espère qu'il est clair pour chacun d'entre nous que tout le monde doit être à la hauteur de la réussite de ce projet. 192%, c'est un chiffre clé que chacun doit garder en tête. Et la réussite du projet en dépend. Pour ce premier projet, Biden nous a fait confiance pour la refonte totale de son système d'information en se basant sur des, comme vous pouvez le constater, sur des standards éprouvés d'entreprise, les dernières technologies du marché. En somme, je vous ai fait plaisir. Et on a combien de délais sur ce projet? Je vais faire un macro planning assez succinct. Bon, globalement, on a réussi à négocier avec le client 6. 6 mois? Ah non, 6 semaines. Et pour le rassurer, j'ai dû lui proposer qu'on livre une première version au bout de 4. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse au bout de 4 semaines? Et rien que pour monter la prod correctement, j'en ai au moins pour 2 semaines de scripting. Correctement, personne parle de faire les choses correctement. On livre une première version, et après on fait de la maintenance. Et l'argent arrive en continu, comme ça. Ah non, je bosse pas comme ça. Non mais c'est n'importe quoi, on fait de l'engineering ou quoi? Ça va très bien. C'est la solution. Pour ce projet, il vous faut une équipe de choc. On va envoyer tout le monde au Brescamp et on va inviter les équipes du client pour qu'ils comprennent qu'il faut refaire leur architecture.